pour ce qui est de lacer, de régler ses chaussures, c'est clairement votre ressenti que vous allez devoir écouter. Bonjour à tous, je suis Olivier, guide de randonnée et fondateur de Émotion Alpine. On va voir ensemble aujourd'hui comment et pourquoi bien lacer ses chaussures de randonnée. Alors c'est un sujet qui peut vous paraître simple, mais on va voir, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre. Alors pourquoi bien lacer ses chaussures? Tout d'abord, on va gagner en précision, il n'y a rien de pire que d'avoir une chaussure qui tourne autour du pied. On va gagner en confort également. On va gagner en isolation thermique, et oui, puisque c'est l'air entre la chaussure et le pied qui va faire l'isolation. On va gagner en sécurité et ça va vous permettre d'éviter les entorses et les ampoules. Alors tout de suite, voyons ensemble comment bien lacer ses chaussures de randonnée. Alors on va commencer par la partie basse. On va chercher à bien serrer ici pour avoir plus de précision et plus on va remonter, plus on va relâcher la pression pour avoir plus de confort sur le coup de pied. Maintenant que vous avez ajusté une partie de la chaussure, vous pouvez valider le réglage avec un nœud simple intermédiaire avant de remonter au fur et à mesure, toujours en croisant, et arriver sur les derniers crochets. L'idéal est de le reprendre par le bas afin d'offrir plus de résistance au dernier nœud. Personnellement, j'aime bien faire deux nœuds simples, le deuxième pour maintenir le premier, avant de finir sur les boucles, où j'en fais deux également. Et ma petite astuce, c'est de les rentrer sous les lacets afin qu'ils ne traînent pas, toujours pour plus de confort et de sécurité. Selon les différentes morphologies, il est possible d'adapter complètement le serrage. Dans cet exemple, j'ai d'abord serré volontairement ici pour avoir plus de précision, notamment dans le cas d'un pied fin. Plus haut ici, j'ai complètement relâché au niveau d'un œillet, notamment si vous avez le coup de pied haut ou large. Et en remontant, j'ai complètement omis le dernier œillet pour plus de liberté de mouvement au niveau de la cheville. Bien sûr, pour ce qui est de lacer, de régler ses chaussures, c'est clairement votre ressenti que vous allez devoir écouter. Néanmoins, il y a quelques règles et globalement, plus le terrain sera technique, plus vous gagnerez à serrer vos lacets pour plus de maintien et de précision. Quand le terrain sera beaucoup plus facile, n'hésitez pas à desserrer vos lacets pour plus de confort. Vous réadapterez votre lassage au fil des heures de la randonnée. En effet, votre pied va avoir tendance à gonfler. C'est pourquoi je vous conseille d'essayer et de choisir vos chaussures en magasin en fin de journée. Pour éviter les ampoules, je vous conseille de refaire votre lassage dès la moindre irritation, toujours pour plus de confort et de plaisir. Dernier point, si vous randonnez l'hiver ou par temps froid, ne serrez pas trop vos chaussures. C'est l'air à l'intérieur qui va faire l'isolation. Et mon petit conseil, c'est de prendre une demi-pointure supplémentaire pour vos chaussures hivernales. Ça vous permettra en plus de choisir une chaussette plus épaisse pour encore plus d'isolation. Mais à l'inverse, si vous avez une chaussette épaisse et une chaussure très serrée, alors vous aurez encore plus froid. Voilà, vous avez toutes les infos pour lacer parfaitement vos chaussures. Alors vous l'aurez compris, ça va dépendre de votre morphologie, de la température et surtout du terrain. Alors dans cet exemple aujourd'hui, on a pris une tige haute, mais ça marche aussi pour des chaussures à tige basse. Et si vous avez besoin d'encore plus d'infos, rendez-vous sur le site Conseil Sport ou sur la chaîne YouTube de Decathlon. Bah, la rando à tous !